Je vais vous expliquer. Il faudrait qu'on comprenne une chose. On ne peut pas vivre dans notre passé. Vous voyez, il y a des partis politiques où il y a un parti politique qui était au pouvoir dont nous n'étions pas contents, qu'on a combattu à notre manière ici, vous et moi. Ça, c'est mon point de vue. Vous faites comme vous voulez. Allah Sketa, comment tu vas, mon frère? Vous faites comme vous voulez. Allah Sataoundé, Ibrahim Sol Kamara, Fangaton, partagez, partagez. Vous faites comme vous voulez. Moi, je voulais toujours dire, je ne vous influence pas. Après, si ça vous influence positivement, pourquoi pas? Maintenant, ce que vous devrez savoir, moi, quand j'ai terrassé quelqu'un, quand je t'ai terrassé, tu es à terre. J'ai autre chose à faire, j'avance. Parce que si je veux revenir à chaque fois, voir comment tu es couché, si tu es confortable ou pas confortable, je pense que ça, c'est un autre problème. Maintenant, si vous êtes là pour faire exister ce parti que je ne veux même pas dire le nom, parce que moi, je ne dis même pas que c'est un parti qui est mort, je vous ai dit que c'est un parti qui est à la porte de l'enfer. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on va récupérer, qui vont aller dans n'importe quel parti ou qui vont quitter ce parti parce que c'est fini. Inch'Allah, c'est fini. Voilà. Ces gens-là veulent qu'on parle d'eux. Où qu'ils soient, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent exister. C'est le même système qui s'est passé avec l'UFDG après les élections. Pardon. Après les élections, on ne voulait pas du tout qu'on parle de victoire, encore moins, excusez-moi, encore moins de ce parti politique. Voilà. Moi, j'ai compris ça, je vous l'ai dit. Je dis, on va en parler ici, parce que c'est ça qui les dérange. Maintenant, aujourd'hui, eux, ils sont partis à une vitesse juste incroyable. Et vous allez vous inviter dans les débats avec ces gens, les gens que vous avez terrassés, le parti que vous vous dites que ce parti est mort. Vous êtes en train de faire des débats avec eux, dans les commentaires, sur les pages, les interventions. Ça, je ne comprends pas. Vous savez, j'ai du mal à comprendre certaines choses. Moi, je n'ai jamais fait de débat avec ces gens-là. Parce que j'ai dit que leur chef-là, je ne ferai pas de débat avec lui. J'ai été contactée plusieurs fois. J'ai dit, lui, moi, je ne peux pas débattre avec lui parce qu'il n'a rien à la tête. Ce n'est pas vous, les couillants-couillants, avec vous que je vais débattre. Maintenant, vous êtes mort. Votre président, il est en prison. Il a disparu. Écoutez très bien. Le ministre de la Défense, des réseaux sociaux, il est en prison. Il a pris 2 ans. Les autres ministres et les généraux sont perturbés. Parce que le ministre de la Défense et le préfet et le président, c'est eux qui donnent des ordres pour la sécurité. Vous vous disputez avec ces gens-là. Pourquoi dire? Pourquoi faire? Kenavo, Avesha, comment tu vas là-bas? Pourquoi faire? Je suis sur une logique. Vous allez les faire exister. Ils vont vous servir de vous, de votre âme, de vos partis politiques respectifs pour exister. Vous êtes sur le futur. Eux, ils sont dans le passé. Il n'y a même pas de doute, c'est fini. Si ce n'est pas fini, Inch'Allah, on va faire en sorte que ça finisse. Parce que ce parti nous a saoulés, ce parti nous a fatigués, on a un très mauvais souvenir de ce parti-là. Donc je ne vois pas ceux qui vont appeler sur les pages des gens, ceux qui vont regarder les pages pour faire vivre le passé douloureux qui n'est même pas fini. Je vous attends. Inch'Allah, je vous attends. Moi, dans mon cas, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais vaut mieux ne pas être en guerre avec moi. Vaut mieux être de mon côté. Inch'Allah. Vaut mieux être de mon côté. Et moi, je fais en sorte d'être dans la logique et j'essaye d'être sur la vérité. Maintenant, nous partons dans Rambarafara. Nous n'avons des barabas. La belle Marie, comment tu vas, ma chérie? Un parti qui est mort. Vous faites des débats avec ce parti. Vous allez sur les pages de ces partis pour les commenter, pour dire que vous voulez les récupérer ou parler avec eux. Ha! Je ne sais pas c'est quel militant que vous cherchez. Je ne sais pas le débat que vous voulez. Je ne sais pas l'intervention que vous voulez. Je pense que vous devez chercher des interventions d'avenir. Les interventions, les débats avec l'UFR, le PDM et d'autres partis, même s'ils ont 2 militants. Mais l'ancien parti qui vient de quitter au pouvoir et leurs adeptes là. C'est fini.
si ce n'est pas fini, Inch'Allah, on fera en sorte que ça finisse. Ok, je vois quelqu'un ici, je pense que je vais vous le présenter. Voilà. Donc, ça c'est un truc. Et je vous ai toujours dit qu'il faudrait savoir que les trucs vont tomber progressivement, petit à petit, petit à petit. Ça ne veut pas dire que l'affaire va finir un jour, un coup. Non, ça va tomber petit à petit. C'est que quelqu'un vient de me le rappeler. Je suis en train de chercher un truc là. Ok. Ok, 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 ok. Tête de mort. Est-ce que c'est un faux compte? Non, c'est un vrai compte. Il a 2000 et quelques amis. Voilà sa photo. Je crois que c'est sa photo. En tout cas, c'est sa photo de profil. On dirait qu'il n'est pas informé pour la nouveauté qu'on les expose ici, hein. Bérété, Bérété, c'est un vrai compte. Ce n'est pas un faux compte. Oh, 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 oh. Il a étudié à Cancan. Il habite à Metz. C'est ce qu'il a écrit ici en tout cas. Et il a ça aussi sur sa photo. C'est un vrai compte. Ce n'est pas un faux compte. C'est un vrai compte. Je suis désolée, mon frère, il a un enfant là qui est dessus. Moi, tu veux tuer ma page, je te tue comme je peux aussi. S'il y a des enfants qui y passent, c'est pas mon problème. La guerre, il faut la gagner. Je vais vérifier si celui-là, c'est un vrai compte. C'est un Mamadou Diallo. Apparemment, c'est un vrai compte. Le voilà. Il est là avec deux enfants. Il habite où? On va voir, excusez-moi. Voilà, il aime le ministre de la Défense. Il est abonné au ministre de la Défense qui est en prison. Donc, je pense que lui, il n'a pas aimé ça. Donc, voilà les deux têtes de mort. On va progresser. Apparemment, ils ne sont pas au courant de la nouvelle loi. Si tu viens ici maintenant, tu veux me combattre, je vais te montrer ici comme un adversaire. On dirait qu'il y a une nouvelle tête encore. Comme vous faites là, il faut faire comme ça, il faut les dégager. Quand ils viennent, vous les dégagez comme vous êtes en train de faire. Ils vont créer des faux comptes spécial tête de mort. Mais si c'est les vrais comptes, je vérifie si c'est ça. Non, ça, je ne pense pas que ce soit un vrai compte parce que il n'a pas beaucoup d'amis. Il a une petite fille. Et une femme. Là, je vais vous montrer vous deux. Quand je vais finir, je vais bien vérifier. Lui aussi, il n'est pas au courant de la nouvelle. Voilà, ce sont vous, vos femmes qui dansent sur les caméras avec les perruques. Enfin, bref, je vous reviendrai après. Je vais continuer. Ok. Donc, il faudrait savoir ce que vous voulez. Vous voulez discuter avec un parti qui est mort ou ce parti n'est pas mort à vos yeux. Si vous continuez à discuter avec les morts pour les ressusciter, soit il y a un problème mental quelque part, soit pour l'avenir, vous ne savez pas quoi faire. C'est un conseil. Maintenant, les partis politiques avec le CNRD qui commencent, il paraît qu'il y a des plaintes qui commencent à arriver à gauche et à droite. Il faut que ces partis politiques, tous les partis politiques confondus. Parce que là où nous sommes là, tout est arrivé à zéro là. Les compteurs sont à zéro. Tous les partis politiques aujourd'hui sont à peu près plus ou moins au même pied d'égalité. Même si nous savons que c'est l'UFDG et l'ANAP qui sont les gros morceaux, qui sont les gros calibres. Mais il faudrait qu'ils comprennent une chose. Je vais revenir là-dessus 50 000 fois. Nous étions sur un mandat, je crois bien, de 6 ans. Le passé de Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, moi, en tant que musulmane, ça ne m'intéresse pas. Sinon, si je fouille dans le passé de Mamadi Doumbouya, je vais fouiller dans le passé de l'exemple de toute l'Afrique actuellement qui est
Monsieur Paul Kagame. Paul Kagame a été rebelle et génocidaire. Aujourd'hui, on l'a oublié. On a oublié ce côté-là. Parce que ça ne nous arrange plus. Mais c'est ça son passé. C'est ça, c'est cela son passé. Et ça, ce n'est pas un pays musulman. Les têtes de mort, je vais vous montrer ici. Vous allez être célèbres, Inch'Allah, tout à l'heure. Donc, si vos familles vous voient ici, c'est ça. Donc, aujourd'hui, si ce monsieur est venu, on ne peut pas lui mettre la pression. La pression qu'on n'a pas réussi à mettre à un vieux pourri de, je crois, 90 ans ou plus. Vous savez, il faut être réaliste. Il faut être concret. Il faut être logique. C'est pourquoi l'adversaire peut te respecter. Mais si tu n'es pas logique dans ce que tu fais, là où tu dois avoir raison, tu risques d'avoir tort. Il faut faire très attention. Nous étions dans une situation extrêmement compliquée. Toutes les critiques qui se passent en ce moment, c'est des critiques bien ciblées pour affaiblir ce monsieur-là. Mais en voulant affaiblir ce monsieur, en moins d'une année, en moins de 3 mois, en moins de 6 mois, l'autre est en prison. Il y a des gens qui demandent sa sortie de prison. Et ça, ce n'est pas une bonne politique, hein. Écoutez très bien ce que je vous dis. Quelqu'un qui est du RPG peut faire cela. Mais quelqu'un qui n'est pas du RPG ne peut pas faire ça. Hein? On est attrapé au collet là. Maintenant, quand tu es attrapé au collet, tu veux forcer la situation, faire ça. Soit tu meurs dedans, ou on te déchire tes habits. Celui qui peut comprendre ça, comprendra qui pourra. Il faut essayer de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ce qui risque d'arriver demain, c'est ce que je suis en train de vous dire. Un truc qui était parti sur 6 ans, si vous trouvez quelqu'un qui vient, qui détache un peu la corde, il n'a pas tout détaché, qui détache un peu la corde, vous êtes en train de respirer un peu, vous êtes en train de réfléchir un peu, parce qu'on ne pouvait même pas réfléchir avant. Je parle de tout le peuple, tout confondu. On est en train de réfléchir un peu. Si celui-là reste 1 an, 2 ans, maximum 3 ans, je ne suis pas Dieu, hein. Je suis en train de parler, on ne sait jamais. C'est Allah qui sait. Je pense que si on a la moitié ou 6 ans divisé par 3 ou par 2, c'est Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Parce que il faut dire ce qui est. Ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. Mais si on insiste et que l'histoire se répète, si l'histoire se répète, les gens vont regretter. Ceux qui ne pensent pas regretter vont le regretter. Donc, ce n'est pas le moment. En voulant faire regretter le monsieur-là et son équipe, c'est d'autres personnes qui vont regretter, qui ne pensent même pas qu'ils vont regretter. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Je vous ai déjà dit ici. Tous ceux qui bloquaient CDD ne sont pas contents. Tous ceux qui avaient d'autres plans pour le coup d'État, d'autres personnes voulaient faire le coup d'État, ils ne sont pas contents. Mais moi je dis, il y a des gens qui disent que 70% ou 80% du peuple est content. C'est ce qu'ils disent. Moi je dis 50%. Les 50% là, le CNRD et le colonel Mamadi Doumbouya, ce n'est pas un parti politique. S'ils ont 50% de la population, ça c'est moi. C'est très bien. Ça veut dire qu'ils ont pris un peu dans toutes les ethnies et un peu dans tous les partis politiques. Les autres 50%, ils ont une très mauvaise image. Une très très mauvaise image des civils. Énormément. On a vu ce qui s'est passé pendant ces 10 ans-là, ces 11 ans. On dirait que ce n'était pas un civil qui était là. On dirait que ce monsieur-là ne s'est même pas battu 40 ans ou 50 ans. Donc, si on arrive là, on doit dire aujourd'hui, Dieu merci. Les partis politiques, comme d'habitude, je les ai vus réunis hier. Ils ont commencé à se tirer. Non, tel était invité. Paul n'était pas invité. Pierre était invité, mais il a fait ci, il a fait ça, et patati et patata. Tout ça, là, c'est bon. C'est le même scénario. L'autre a joué sur ce scénario-là, en tant que civil. C'était votre ami civil. Il a joué sur ça. Un militaire va se gêner. Si c'est vous, vous allez vous gêner. Qui n'aime pas le pouvoir? Qui n'aime pas? En plus, tu as les armes. Tu vas refuser. Mon frère, mes frères et sœurs, vous n'allez pas refuser. C'est ça la vérité. Ça fait mal. Mais il faut l'accepter.
avant que ça n'arrive demain, qu'on se mette ici encore à bavarder inutilement. Parce que Allah va juger ce monsieur-là. Il va vous juger, il va juger les partis politiques pour se dire quelle situation ce peuple-là était. C'est ce qu'Allah va juger. Et si lui aussi il a une mauvaise intention, lui aussi sera jugé. Et Allah va le matraquer. Si c'est nous qui sommes dans la mauvaise position ou les partis politiques, Allah va nous matraquer, très bien, tout le monde. Parce qu'on a eu une chance, pendant les autres élections, de sortir de ce problème. On a refusé. On a quelqu'un d'autre encore qui est venu, à cause des bonnes personnes d'Allah, qui sont de ce pays, ou alors qui ont prié, Allah a eu pitié de nous. Sinon, là où on était là, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte. Je vais revenir en arrière. Tout ce qui se passe là, je vous l'avais dit. Je ne sais pas c'est quelle idée que les Guinéens ont que quelqu'un va venir au pouvoir et avec une baguette magique, il va tout changer. Ce problème est là depuis avant l'indépendance. Parce qu'il faudrait qu'on sache pourquoi on se bat. Moi, je ne me comprends pas avec beaucoup de personnes. Il y a des gens qui disaient que c'est le colis qui est le problème. Je voulais toujours dire, je suis obligée de me répéter. Je dis, le colis nous a trouvé avec le problème. Si vous voyez aujourd'hui, plusieurs personnes ont baissé le bras parce que eux, leur âme et leur mental avaient capté que c'était le colis le problème. Donc leur combat est fini. Ça, c'est la puissance de leur âme. Ça, c'est la puissance de leur âme. C'est fini. Leur âme a cette puissance que le colis parte, ça, c'est fini. Maintenant, ils ne peuvent pas aller plus que ça. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Et récapaciter, mon ami, ça c'est leur mission. Maintenant, moi qui pensais, et qui a toujours pensé, que le colis nous a trouvé avec nos problèmes, je vais continuer parce que si nous on ne change pas, nous les Guinéens, rien ne changera. Les gens n'aiment pas ça. Beaucoup de personnes disent, oui, nous les Guinéens, on ne mérite pas ça. Je suis désolé, vous allez vous fâcher. On mérite ce qu'on vit. Le colonel Mamadi Doumbouya qui est là aujourd'hui, on le mérite. Si c'est un drogué, c'est parce que la majorité de la population se drogue. Si c'est un soulard, c'est parce que la majorité de la population se saoule. Si c'est un menteur, c'est parce que c'est ce qu'on aime ou la majorité de la population, c'est des menteurs. Maintenant, ce côté-là, on ne l'accepte pas. Pourquoi? Je vous l'ai dit, je vais vous le dire régulièrement. Parce que nous ne voulons pas nous remettre en question. Celui qui se drogue ne voudra pas arrêter son cannabis. D'ailleurs, il va te dire que ce n'est pas la drogue. Celui qui boit, pareil, celui qui ment va se dire que lui, son comportement est bon. Donc, celui qui vient à la tête, c'est lui qui doit changer. Ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne se passera pas comme ça. Donc, les partis politiques là ne se sont jamais entendus. Là où moi, j'ai compris que ces gens-là ne vont jamais s'entendre. Vous savez à quel moment je l'ai su? Et j'ai été sûre de ça. Vous savez à quel moment j'ai été sûre de ça? Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pendant ces dernières élections, j'ai dit les politiciens, là, c'est pas la peine. C'est là que j'ai respecté l'UFDG et CDD. Sinon, moi, je ne prononçais même pas le mot là. Mais qu'ils soient arrivés à cette phase-là, que les autres-là le laissent dedans, qu'on le lâche de sitôt. Ça, je me suis dit, les gens, là, il n'y a rien à faire. Celui qui fera cavalier seul, le fera seul. Mais l'occasion, là, arrive. On a un vieux crocodile en face. Il y a quelqu'un qui a gagné. Vous êtes sûr qu'il a gagné ou même s'il n'a pas gagné. Vous êtes conscient que c'est lui qui peut le traumatiser. Vous quittez derrière le monsieur, vous le laissez seul. Avec tout ce qu'il a subi. Moi, je dis, c'est ce groupe-là. Ils vont se réunir, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Vous pensez que Mamadi Doumbouya qu'il est bête? Vous pensez qu'il est fou? Vous pensez qu'il ne sait pas ça? Hein? Vous pensez qu'il ne sait pas ça? Il le sait. Il vit en Guinée. Il était là. Et il ne faut pas oublier une chose. Ce que nous devons savoir, tous ceux qui font des mises en garde, oh, le colonel doit faire attention à Paul. Il doit faire attention à Pierre. Pour sa sécurité. Oh, comme ci, comme ça. Je ne comprends pas.
Ce monsieur-là a été recruté, lui et son groupe ont été formés pour la sécurité. Pour ça, pour ce domaine, c'est pas pour autre chose. Donc il connaît le problème sécuritaire de la Guinée. Il connaît l'entourage. Ah, il faut te méfier des gens du RPGiste et des RPGistes. Il faut te méfier. Il a grandi dans le RPG. C'est son parti. Vous n'allez rien lui dire qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaisse pas. Il le sait, il est au courant de tout. Mais peut-être on donne des conseils. C'est tout. Mais il le sait. C'est ce manque de confiance-là en l'armée que lui, il a été recruté. C'est ce manque de sécurité de ce monsieur que lui, il a été recruté. Vous pensez qu'il n'est pas face au même problème, plus ou moins, mais seulement, lui, il est de l'armée. C'est ça l'avantage pour lui. Maintenant, nous, les civils, si nous ne faisons pas en sorte de se faire respecter, c'est-à-dire que nous-mêmes nous soyons disciplinés, que nous-mêmes nous soyons unis, nous allons crier jusqu'après demain, et je vous l'ai déjà dit avant que le CNRD arrive, les manifestations, sortons ça de notre culture. S'il vous plaît, sortons ça de notre culture, les manifestations, il faut sortir ça de notre culture. Vous auriez manifesté, il y aurait eu des morts, aujourd'hui allait arriver peut-être ou peut-être pas, mais vous avez vu, depuis qu'on vous dit des années de sortie, je dis, hein, c'est un soulèvement populaire qui va faire partie de monsieur. Il y a eu un soulèvement populaire. Il y en a eu. C'est-à-dire, les gens aussi que vous suivez, vont faire attention. Hein. Il y a un gros problème dans la tête des gens de ce pays-là. Parce que le Guinée a une façon de réfléchir. Moi, ça m'inquiète. J'ai dit, mais le soulèvement populaire, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde va se lever, va se diriger vers Saint-Touria. Comme s'il y a une télécommande sur la population. Mais ça, c'est des conneries. Vous-même, vous avez vu que c'est impossible. Mais à cause de tout ce qui s'est passé, tous ces facteurs ont fait que ce monsieur est sorti de quelque part pour venir. Et on n'est pas content. Le CNRD aussi doit consulter les partis politiques. Mais attention, le CNRD n'est pas obligé. C'est l'armée. Ils ne sont pas démocratiquement élus. Ils ne sont pas démocrates. Non. Mais le démocrate qui était là, qui s'est battu 40-50 ans, lui ne respectait aucune loi. C'est-à-dire, vous savez, il ne faut pas qu'on fasse en sorte que nous-mêmes qu'on soit ridicule. C'est qu'un civil n'a pas respecté. Le civil là était là, il n'avait même pas gagné. Il ne gagnait même pas dans les urnes. Il est venu s'imposer pendant 10 ans. Par quelle méthode, on ne sait même pas. Jusqu'aujourd'hui, je me dis, mais comment les Guinéens ont laissé ce monsieur-là rester là pendant 10 ans? Jusqu'aujourd'hui. Vous pensez que Mamadi Doumbouya ne sait pas ça? Vous pensez qu'il ne le sait pas? Mes frères et sœurs, on n'a pas besoin de lui dire ça. Il le sait. Il en est conscient. Donc, ces partis politiques se disent qu'ils vont s'entendre. Je le souhaite. Je l'espère. Mais ça m'étonnerait. Parce que ce qu'ils ont commencé à tirailler là, ils vont encore tirer ça. Hein. Ils vont tirer ça et l'autre va se positionner. Il ne va pas se positionner. Pourquoi? Sinon, on ne s'entend pas. Et aussi, lui aussi, il ne va pas se positionner. Il va se positionner puisque c'est le même problème pour lequel lui, il a été recruté. Et il va profiter, oui ou non? Puisque nous, on ne sait pas profiter. Nous, on ne veut pas profiter. Nous, on ne sait pas ce qu'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on veut, peut-être que lui va savoir ce qu'il veut, puisqu'il est conscient de la situation. Ce n'est pas une nouveauté. Ce monsieur-là connaît la situation. Il était de ce milieu. Maintenant, ceux qui veulent le soutenir, vont le soutenir. Mais voulant, je vous l'ai dit ici, c'est comme ceux qui voulaient affaiblir l'UFDG et la NAD. J'ai dit, en voulant affaiblir l'UFDG et la NAD, pour que vous vous passez, parce que vous pensez que vos ethnies vont faire les coups d'État, et certains se préparent ethniquement pour 2026, voilà les conséquences. Qu'est-ce qui fait ça? Le manque d'union. Parce que tout le monde veut gagner. La haine et la jalousie. Et tout le monde ne peut pas gagner. Ça, c'est Iblis qui fait ça. Parce qu'ils vont leur marabout dire, non, c'est toi qui seras président. Tous ceux-là, leur marabout leur a tous dit qu'ils seront président. Tous les politiciens, même si celui qui a 5 militants, on leur a dit qu'il sera président. Donc, dans sa tête, c'est ça. Tous les sacrifices qu'ils font, c'est ça. Ils ne vont pas être réalistes
Et le monsieur, il va se positionner. La transition peut durer plus qu'on ne l'imagine. Et Staline est vu que la population, une partie de la population n'est pas contente des politiciens, c'est ça la vérité. Sont déçus des politiques, sont déçus des civils. Ils vont se dire, ok, pour l'instant, là, comme il y a un peu de trucs, il est en train de poser de quelques petits points. Ah, il n'a quand même resté. Oui, parce qu'il y a des petits points qu'il est en train de poser qu'un civil n'aurait pas pu le faire, n'aurait pas pu faire ça. Et les civils ne s'entendent pas. On ne s'entend pas entre nous. On ne s'entend pas. Même si celui qui a 5 militants ne veut pas rester derrière l'autre. Si ce n'est pas derrière un parti qui est au pouvoir, ils ne le font pas. C'est ce qu'on a vu. On a vu plusieurs partis se mettre derrière des jeunes, des petits jeunes se mettre derrière ce vieux crocodile parce qu'ils pensaient qu'il allait mourir au pouvoir. Parce qu'ils ne voyaient pas plus loin. Et si tu ne vois pas plus loin, c'est ce qui va t'arriver. Et si cette fois-ci encore on ne voit pas plus loin, c'est ce qui va nous arriver. Parce qu'on a la mauvaise foi, on a la mauvaise volonté. Voilà. Maintenant, pendant cette transition, comme je vous l'ai dit, les débats avec ceux qui sont à terre, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer à aller sur les pages, à appeler, à dire ce que vous pensez à quelqu'un qui est mort, à quelqu'un qui n'a pas de route. Pour que lui se serve de toi pour s'en sortir. On est là. Quand je dis qu'on est là, ce n'est pas Facebook. Hein, mais on est dans la vie quand même. Donc, il faut continuer. Il ne faut pas réfléchir. Si vous pensez que Facebook, c'est un jeu. Si vous pensez que Facebook, c'est un jeu. Les gens sont allés en prison à cause de ça. Vous, vous prenez ça comme un jeu. C'est-à-dire, je ne comprends même pas. Quand je pense à ça aussi, ça me tue. Tu vas l'appeler sur la page de quelqu'un qui défend quelqu'un qui est en prison. Donc, tu es en train de l'aider quoi pour que la personne sorte de prison. Vous avez quel projet à parler d'un parti qui est mort? Quel projet? Un parti pendant 10 ans, 11 ans qui n'avait pas de projet. Donc, vous voulez aller leur donner des projets. Maintenant, le CNRD doit se prononcer sur la durée de la transition. Ça, ce sont des faux pas. Mais, ça aussi c'est pourquoi, c'est un autre piège dans lequel nous-mêmes, le piège que nous-mêmes on a creusé. Pour le gouvernement, ça a pris à peu près 2 mois. Parce qu'on ne veut pas le recyclage. Et dès qu'on met quelqu'un, ah lui c'est l'arrière-grand-mère de l'autre, non non lui c'est le petit-fils d'un tel, ah non 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 lui il est de telle ethnie. C'est normal. Donc les gens là, ils sont en train de creuser un trou que nous-mêmes, on vient prendre la mesure du trou pour dire que non, moi, c'est dans le trou là que je peux mettre. Maman dit, moi, mets-moi ici. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, c'est à nous, notre façon de se comporter, notre maturité qui va faire que ces gens-là vont se comporter correctement. Mais, pardon, avec ceux qui commencent là, les exigences que nous voulons mettre, tu n'as pas été exigeant avec un civil tout pourri, tout vieux, qui triche au vu et au su de tous. Tu vas être exigeant avec un jeune militaire qui est venu t'enlever au bord du puits. Tu avais même tes 2 mains qui étaient déjà descendues. Et il faut bien réfléchir. Hein. Moi, je parle seulement. On verra. Moi, je suis réaliste. C'est tout. Je suis réaliste. Les gens ne sont pas contents, hein? Mais je suis réaliste. Parce que la réalité, elle est là. Ce que toi, tu veux que ça se passe, il y a ça. Mais la vraie réalité de la vie aussi, elle est là. Voilà. Donc, concernant l'UFDG, tout le monde attend l'UFDG. Tout le monde. Tout le monde attend l'UFDG. Je ferai une vidéo sur ça, Inch'Allah. Tout le monde. Que parce que c'est l'UFDG qui est pressé. C'est ce qu'on dit. Vous savez, pour les manifestations, j'ai fait des vidéos aussi plusieurs fois. J'ai dit, l'UFDG, il ne faut pas manifester. L'axe, ne sortez pas. Les autres là souffrent plus que vous. Les autres là veulent plus que le colis là parte plus que vous.
Il y a des gens qui veulent le pouvoir plus que vous. Celui qui veut, il est venu prendre, non? Et comment? Avec bonus ou bien? Ok. Vous allez faire genre, ils vont vous bousculer, genre. C'est l'UFDG qui est pressé, tandis que les autres aussi sont pressés. Oui, si c'est affaire d'âge, l'âge là, vous savez, ils n'ont pas beaucoup d'écart d'âge entre eux. Si c'est quoi que ce soit, ils ont à peu près les mêmes problèmes. Mais l'UFDG va se mettre devant. Ils vont dire, ah, vous voyez, c'est toujours eux. Et moi, le conseil que je donne, même si ce monsieur-là a dit 10 ans de transition, il faut lui dire que si tu veux rester 50 ans, le jour que tu seras prêt là, on sera prêt. Il faut toujours faire ce que le camp adverse pense que tu ne peux pas faire. J'ai déjà expliqué ça ici plusieurs fois. C'est comme la réclamation de la victoire de ces loups. Ils se sont dit, personne ne va sortir. Personne n'est sorti. Personne ne va plus en parler. Personne n'en parlait presque plus. Si ce n'était pas des gens comme moi, très rare. Ce calcul-là, c'était comme ça. Je suis là, je vais mourir au pouvoir. L'armée, il n'y a jamais eu de coup d'état. Il l'a dit de sa propre bouche. Parce qu'il tient l'armée, selon lui et selon certaines personnes. Mais nous avons vu, parce qu'il n'a pas calculé ce côté. Il avait commencé à prendre la confiance. Et c'est passé ce qui s'est passé. Donc là, aujourd'hui, tout le monde se dit dans la tête, le seul parti politique qui va se lasser de la durée de la transition, c'est l'UFDG et la NAP. Mais si moi, je suis de l'UFDG, ma voix passe. Wallah, ici, c'est là-bas qu'ils m'attendent. Moi aussi, je vais serrer le cœur. Mais je sais que ça dérangera quelqu'un d'autre qui n'est pas de l'UFDG. Ça aussi, si vous voulez, Inch'Allah, on peut vérifier. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, vous allez devant. Vous, vous essayez de sortir vos têtes. Mais si vous restez tranquille, vous vous calmez, il y a quelqu'un d'autre qui est plus pressé que vous. Inch'Allah, on verra. On va voir. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens se... C'est comme quand on dit que partout on critique l'UFDG, partout on insulte celle de l'air. L'UFDG est là-bas. Mais vous connaissez les pages là. Vous allez aller écouter quoi là-bas? Puisqu'ils le font pour que vous veniez écouter. Et vous aussi, vous venez répondre. Donc, moi, je pense qu'il y a un travail de fond à faire dans ce parti-là. Honnêtement et sincèrement, c'est un grand parti, bien structuré. C'est incroyable. Mais je pense que cette transition, l'UFDG doit profiter de ça pour vraiment refonder, comme le colonel dit qu'il doit refonder la Guinée, là, l'État. L'UFDG doit refonder l'UFDG. Vraiment, il y a des trucs qu'on ne peut pas dire en public, en coulisses, là, qu'il faut vraiment, vraiment régler. Vraiment régler. Très important à régler. Parce que ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas normales. Quelqu'un de l'interne ne le voit pas. C'est une personne externe à cette situation qui peut voir ça, qui peut vous dire ça. Vous, vous ne pouvez pas le voir. Non. Nous, on voit des choses. Le CNRD ne voit pas ça au sein du CNRD. C'est comme ça. Quand on vient chez les Occidentaux, on voit les choses qui peuvent nous servir en Afrique. Que eux ici, ils se disent, qu'est-ce que nous, on va faire de ça? Et vice-versa, quand ils voient en Afrique, c'est pareil. Quelqu'un qui est... Parce que en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Quand tu es dans un parti politique, toi-même, tu fais partie du problème de ce parti politique. Comment tu peux détecter le problème? Toi-même, tu es dans le problème, tu fais partie du problème. C'est quelqu'un d'externe. C'est pourquoi les critiques, quelquefois, apportent. Il y a des critiques qui détruisent. Comme certaines personnes qui sont en train de critiquer le CNRD aujourd'hui, c'était comme au même moment, après les élections, les gens qui se mettaient à s'abattre sur l'UFDG. Ça, c'est pour te tuer. Ça, c'est parce que c'est des moments très, très délicats. Très, très délicats. Comme il y a des trucs qu'il ne faut même pas essayer de faire. Parce que à force de critiquer, quelquefois, vous donnez du poids à la personne. À force de critiquer, les gens font attention. Et ceux qui font attention, qui ont le bon sens, ils arrivent à détecter si c'est la méchanceté, si c'est la vérité, si c'est le mensonge. Et finalement, tu apportes du monde à ces gens-là. Donc, moi, je pense qu'il faut faire très, 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 très attention. C'est une pente très, 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 très glissante
surtout, 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 surtout pour le CNRD et l'UFDJ. Parce que tout le problème de ces pervers-là, tout le problème de ces démoniaques-là, leur gros souci, c'est mélanger les deux-là, les mettre dos à dos. Et le point fort qu'ils sont en train d'attendre, c'est le moment de la transition. Mais si vous donnez raison au camp adverse, tandis que d'autres personnes sont là qui veulent vous pousser, que eux, tandis qu'ils sont pressés comme vous, hein, ou ils sont même plus pressés que vous. Ah oui, s'il n'y avait pas eu ce coup-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un à côté de ce type-là qui veut le terrasser. Non, mais c'est la patience qui fait ça. Oui, c'est la patience qui a fait. Sinon, il y a eu beaucoup d'étapes. Ah, les prisonniers, le dialogue, beaucoup de choses. Les gens se sont détachés. On a vu beaucoup de personnes qui se sont détachées. Il faut dialoguer, il faut aussi, il faut... Non, il faut dialoguer de quoi? Il n'y a rien à dire. Même si on doit dire que c'est Lula Lengelo, tu vas finir mendiant ou il va récupérer Hagali Matoudalen qui va être je ne sais pas quoi chez lui là-bas, ou même tes enfants. Il faut dire non, il faut dire net. C'est tout. Donc, toutes ces choses-là doivent servir d'exemple et d'expérience. C'est ça les expériences. Il ne faut pas que l'histoire se répète à tous les coups, à chaque fois. À tous les coups, à chaque fois. Qu'ils essayent de s'entendre. On verra ce que ça va donner. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Mais il faudrait qu'on sache que les gens sont énormément fatigués de tous ces politiciens depuis un moment, parce que c'est à peu près toujours les mêmes scénarios. Ils ne s'entendent pas. Ils ne sont pas là à mettre leur ego de côté pour se dire, ok, cette fois-ci, on va faire comme ci, cette fois-ci, on va faire différemment. Non, ils ne le font pas. Quand c'est comme ça, qui que ce soit qui viendra au pouvoir va jouer là-dessus, même si c'est moi. Chacun joue sur le point faible de l'autre. Et ça, c'est pas des démocrates, je suis désolée. C'est des militaires. Et c'est militaire pur et dur. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, il faut y aller. Et comme je vous l'ai dit, les invitations, les débats avec un camp qui n'existe plus, un camp que vous-même vous dites mort, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Youssouf ou bien c'est faux. Toi, tu dis qu'un parti politique est mort. Mais toi, tu dois te présenter aux prochaines élections, tu n'es pas mort. Vous allez faire quel débat? Débat de l'au-delà? Débat de ce qui se passe en enfer ou bien au paradis? Toi, tu es vivant. Mais je pense que vraiment, il y a un gros travail à faire. Il y a énormément de travail à faire. Parce que ça, c'est des choses que les gens ne considèrent pas. Quand on prend les réseaux sociaux, comme je viens de vous le dire, tous les noms que les gens portent signifient quelque chose. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Tous les noms que les gens portent signifient quelque chose. Tous les noms. Pourquoi vous ne leur demandez pas où est-ce que vous avez pris ce nom-là? Pourquoi vous ne leur demandez pas ça? Donc, le ministre de la Défense, c'est fini. C'est le ministre de la Défense qui donne les stratégies de guerre, qui donne les armements. Maintenant, vous défendez quoi? Avec quelle arme? Il n'y en a pas. C'est pourquoi il y a perturbation. C'est pourquoi il n'y a pas de route. C'est pourquoi ils ne savent même pas quoi faire. C'est ça la vérité. Et regardez aussi sur le vrai terrain ce qui se passe. Maintenant, plusieurs personnes vont se poser la question sur la sortie de la maman des championnes, Madame Sanou Doussou-Kondé, qui est venue ici plusieurs fois pour les dénonciations. On a fait une partie du combat ensemble ici, que vous connaissez. Il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions sur elle, pourquoi elle n'intervient pas, pourquoi elle n'intervient pas. Mais finalement, elle a intervenu. Vous allez être très, très surpris et très déçus de ce que je vais vous dire. Je n'ai pas écouté son intervention. Moi, je vous l'ai dit, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui m'ont appelé pour m'en parler, qui ont fait le résumé, ils m'ont envoyé la vidéo, j'ai dit je ne regarde pas. Vous m'avez déjà dit ce qu'elle dit, et je ne suis pas du même avis qu'elle cette fois-ci, je ne vois pas pourquoi je vais écouter ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est son droit, comme je vous l'ai dit, je l'ai souvent dit ici, il ne faut pas être surpris en politique de quoi que ce soit. Vous allez être avec des gens pendant un moment. Kourouma,
Madame, normalement, ce n'est pas le terrain que tu devrais jouer. S'il te plaît, retire-toi de ça. Sinon, quoi? C'est une menace ou bien c'est quoi? Si je ne me retire pas, quoi? Il y a un terrain sur lequel je devais jouer spécialement. Quel terrain? Comme quel terrain? Tu seras surpris et tu seras dépassé de mon avenir, Inch'Allah. N'importe quoi. Si tu écris des conneries ici, maintenant, je te bloque. Ce que tu as écrit là, je préfère même que tu m'insultes en injure de femme. Parce que ce que tu dis là, c'est une injure. Ce que je sors de ma tête là, aucun membre de ta famille n'a ça dans son cerveau. Parce que la Guinée, on sait comment les gens réfléchissent. Leur façon de réfléchir, c'est ce qui nous a amené là où nous sommes. Regarde-moi des bêtises comme ça. Ah oui, fais-moi des dames, maintenant. Vous allez remettre la dame là pour qu'elle s'énerve pour des choses comme ça. Regarde-moi ça. Quel terrain? Vous aimez les idiots devant les caméras qui racontent des sottises et des milliards de personnes les regardent, le pays n'évolue pas. Le combat même qui mène, il ne gagne même pas. Hein? Parce que ce que je dis, ça ne t'intéresse pas. Donc, dégage de cette page-là. Maintenant, je ne prends pas les foutaises, hein, je vous le dis. Moi, ma la fin est un nana qui quoi. Donc, comprends. Qu'est-ce que toi tu dis? Oui, vous avez souligné un point essentiel que beaucoup de personnes ignorent. Mais c'est des ignorants, mon frère. Le monde est rempli d'ignorants. C'est pourquoi lui me dit de ne pas jouer sur ce terrain. Parce que le terrain là. Ah, le terrain est trop petit pour moyen. Ok, d'accord. Je trouverai un terrain beaucoup plus grand, Inch'Allah. Il faut t'asseoir là-bas. Tu vas comprendre c'est quoi la vie bientôt. Donc, qu'est-ce que je disais déjà? On avait fini l'essentiel, je crois bien. Donc, voilà, Madame Sano Doussoukondé, ce qu'elle dit, c'est son point de vue. Moi, je comprends, selon les résumés. Et finalement, j'ai regardé le direct du frère Fama, donc j'ai compris ce qu'elle voulait dire. C'est la politique, c'est comme ça. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais moi, je soutiens Mamadi, je le soutiens corps et âme pour l'instant. Si je ne le soutiens pas, qu'est-ce que je vais faire? Si je ne le soutiens pas, je ne serai pas cohérente et logique dans ce que j'ai fait. Voilà, parce que c'était très très clair ce qu'on faisait. On faisait pour que l'autre bounoule là, ce maudit de tous les maudits là, parte. Mais on voulait que qui le remplace. On voulait que qui le remplace. Vous savez, là, vous voyez la puissance de l'âme. Je vais vous expliquer ça. La majorité des militants de l'UFDG se disaient, la victoire là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Voilà. C'est fini. Le monsieur là va mourir au pouvoir. C'est vrai? Ou bien c'est faux? C'est vrai. Ok. Ça, c'est réglé. La majorité du peuple était fatiguée. Même ceux qui n'étaient pas de l'UFDG étaient fatigués. Maintenant, leur force de leur âme voulait qu'il parte. Qui que soit qui le remplace, il faut qu'il parte. Il est parti. Si nous n'avons un gorille qui l'a remplacé, ben, nous méritons ce gorille. Si nous avons un chimpanzé ou un chat ou, je ne sais pas, un oiseau, c'est ce que nous méritons. C'est ce que nos âmes ont réclamé. Parce que nous, on voulait, la majorité voulait qu'il parte. Vous voyez la puissance de l'âme. Comment les gens bloquent leur propre bonheur. Aujourd'hui, ils vont se plaindre. Aujourd'hui, moi, je connais des gens qui disaient que quoi qu'il en soit, c'est l'armée qui va prendre le pouvoir. C'est les mêmes personnes qui me disent aujourd'hui qu'ils n'aiment pas l'armée. Alors, réclamons la victoire. Ah, la victoire, là aussi, c'est impossible. Dalen, là, moi, je ne veux pas. Celui aussi qui est là, je ne veux pas. Donc, toi, tu ne veux rien. Tu n'aimes pas l'armée aussi. Mais tu ne t'es pas dit qu'à force de bloquer le civil, que tu vas te retrouver avec l'armée que tu n'aimes pas. Donc, vous voyez que c'est très compliqué, c'est très délicat. Quand un être humain ne sait pas ce qu'il veut, quand un être humain ne sait pas ce qu'il veut, il se retrouve dans des situations toujours comme ça. Et ça sera toujours comme ça. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, c'est votre mauvaise volonté et votre mauvaise foi. Comme celui qui me dit là de me retirer sur ce terrain. Tu sais ce que j'apporte aux gens? Tu ne sais pas ça. Tu sais combien de vies j'ai changé? Tu ne sais pas ça. Tu sais, ça fait combien d'années, combien de mois les gens parlent ici, ça ne donne rien. Mais ils ne vont jamais dire à ce genre de personnes de se retirer. Parce que c'est des gens qui ont des âmes négatives et pourries. La lumière les dérange. La positivité, ça les tue. Parce que quelquefois, j'ai du mal à... Je ne comprends pas. Je vais revenir sur ça. On va me dire qu'on attaque les gens.
Tu ne vas jamais voir ces gens-là faire des vidéos ou dire dans les commentaires que toi, tu t'es décapé, garde ton teint naturel. Jamais. Tu ne vas jamais les voir écrire ou faire des vidéos. Nous sommes des Africains. Gardez vos vrais cheveux ou vos vrais teints. Ils ne vont jamais le faire. Ils ne vont jamais le faire. C'est vous qui n'êtes pas sur vos terrains, messieurs, en général. C'est vous qui ne foutez rien, sincèrement. Parce que si vous vous battiez contre ce genre de conneries, on serait déjà loin. Tu penses que tu vas te battre décapé avec des faux cheveux que tu bats? Tu gagnes un combat de la vérité face à moi, mais tu perds ton temps. Inch'Allah, tu perds ton temps. Tu seras reconnu mondialement, mais dans le mensonge. Parce que tout est faux sur toi. Ça, ce sont des remarques que vous devez faire à vos femmes et à vos sœurs. Voilà. S'il y avait beaucoup de Marie Sissoko, il y aurait eu moins de dénudés. Pour ça même, vous devez me dire merci et bravo. Donc, je me dis à moi-même merci et bravo. Et alhamdoulilah, Dieu merci.